Ah, ça y est, je suis en place. Je viens de démarrer la vidéo, tout. Ah ben bordel, ça pourrait être une surprise, c'est une surprise. Mais là, tout à l'heure, là, il y a 2 minutes, là, putain, j'entends une espèce de double bip, là, qui m'est arrivé bien fort. Oh, j'ai tout posé, j'ai attrapé le micro, j'ai répondu. Bon, c'est resté un petit peu calme. Je pense que tu étais en train de regarder ma connerie là que je t'ai envoyée sur Messenger. Bon, comment vas-tu, frangin? Ben, du coup, je suis encore en train de travailler ta vidéo. J'étais en train de prendre le temps dessus. Quand. Waouh! Surprise! Mais j'avoue que oui, il pourrait être une surprise, c'est une surprise, parce que alors là je m'y attendais pas du tout, vu comment c'était calme, il n'y a rien, il y a rien sur la fréquence, et paf, le Québec passe. Ah, mais si, bah merde alors, c'est quoi cette blague? Ouais, bah du coup ici je suis que sur une seule oreille. Et oui, parce que là pour le coup, alors là, sans sous-entendu, bien entendu, tu m'as eu par surprise. Parce que là, du coup, j'ai pas le web SDR de brancher de lancer derrière, rien. Je suis juste que sur le poste. Et là, vite, comme je t'ai montré dans ma petite vidéo, du coup, vite, j'ai allumé ma deuxième petite caméra pour voir l'heure dessus et tout, et démarrer la caméra et tout, et puis me voilà, quoi. Ah ben bordel, pour être une surprise, c'est une surprise. Alors là, je m'y attendais pas à celle-là aujourd'hui, quoi. Oui, surtout que, et là j'en étais à, alors sur ta vidéo, là j'en étais à, bon là j'étais rendu à 27 minutes 16, et j'en étais à 25 minutes 19, où tu dis que la propague est fermée vers la France. Et là, moi ça fait tilt dans ma tête, vite, Google, j'attrape, je cherche une connerie. Hachi. J'étais en train d'écouter ta vidéo, là. Et puis, mon cours, ben, il faisait ça. Et puis, là, au bout des stations françaises, 565. Puis, un peu partout, le 38 dans la bande plus basse, là. Le trafic Lower Saipem, et puis, là, j'ai dit, c'est ouvert, là. Ah ouais, pour être ouvert, c'est ouvert. En tout cas, tu vois que moi, je suis derrière la porte. Il n'y a pas de problème. Putain, pour le coup, en venant m'installer, parce que t'as vu comment je suis installé, moi, du coup, là, au niveau de la station, là. Enfin, je sais pas si t'as vu, là, t'as écouté un peu, ah oui, bah oui, tu viens de me le dire. Oh là, t'as, j'ai la tête à l'envers, moi. Et j'ai que 3 heures de sommeil, hein, aussi, hein. Je me suis mis un petit peu là sur la vidéo ce matin, 9 h au lit, midi debout. Alors j'ai pas les neurones là qui sont à 100% là pour le coup. Et du coup, quand j'ai entendu là tout à l'heure, putain, en venant m'installer, j'ai failli me vautrer en plus avec l'ordinateur et tout dans les mains. Et puis, à la fin de la journée, il y a eu des ouvertures.
Ah bah oui. Ah oui, carrément, quoi. C'est effectivement là ton truc là, il est fiable, hein. Ah oui. Là, je savais que la météo pouvait jouer quand même sur la propague, mais à ce point-là, non. Non, non. Là, je... Non. Puisque pour moi, la propague, bah, déjà, le fonctionnement, c'est au-delà de ça. À commencer par le soleil, les éruptions solaires, les éjections de... alors, je sais plus comment ça s'appelle, qu'il y a sur le soleil, là, qui s'en va de partout. Et quand ça se dirige vers nous, bah, ça nous met de la propague. Pour ma part, je mise plus sur là-dessus. Et c'est pour ça que je regarde tous les jours soit le site internet, soit la page Facebook Solar Am. Et que je partage après dans mon sous-groupe, justement là sur Facebook. Et toi, là, je mise, jusqu'à maintenant, je misais plus là-dessus. Et juste moyennement, on va dire, côté météo, sans trop vraiment y croire. Mais là, tu m'as convaincu, là, pour le coup, là. Oh, ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo. Ah ben là, ça fait plus le yo-yo, c'est parti carrément. Allô Houston, nous avons perdu le Québec. Ah, ok, ça revient, ça remonte, c'est bon. Attends, je regarde un truc parce que j'ai l'impression que j'ai un petit souci. 1, 2, ok. Alors attends, bouge pas, je reviens. Non, ben non. Non, tout fonctionne. Ok, non, mais c'est bon. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Essaye, non, je sais pas, c'est bizarre. J'ai un demi-souci là de mon côté là. C'est, je sais pas, c'est, j'ai à nouveau un petit peu de tos, je sais pas pourquoi. Ah, il y a du tos, ton ajustement a commencé à changer. Ben, aujourd'hui, oui. Ouais, c'est curieux. C'est, je sais pas, voilà, il me faudrait un ampli de 1 ou 2 kilowatts que ça me fasse chauffer un peu l'antenne de façon à la sécher, parce que si ça se trouve, c'est peut-être ça le problème. J'ai peut-être de l'humidité encore dedans. Je crois que c'est un détail qu'il va falloir que je vois. Normalement, sous une antenne verticale, il y a toujours un petit trou pour laisser passer... Enfin, j'ai jamais regardé, à vrai dire, pour laisser passer l'humidité. Il faudra que je vois si des fois ça ne serait pas bouché ou quelque chose comme ça, ou faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Parce que, mis à part l'humidité, je vois pas ce qui peut me faire modifier le tos comme ça. Si, des PL grippés, mais du jour au lendemain comme ça, j'y crois pas trop. Hein. C'est petit à petit, oui, mais bon, pas du jour au lendemain, quoi. Ça me paraît beaucoup, ouais. Enfin, j'aurais quand même un problème à regarder quand même par la suite. Il manque,
Voilà, attends, j'ai dû monter sacrément le volume parce que là, ça a pas mal baissé, là. Excuse-moi, tu peux me répéter? Non, ça fait... non, 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 ça fait quelques jours, là, que j'ai pas entendu. Quoique, ouais, ça fait quelques jours que je l'ai pas entendu. En tout cas, là sur ta vidéo, là quand t'as fait dehors, j'ai vu ça, la neige et tout, putain, mais c'est hallucinant ce qui est tombé. Waouh! Wow. Alors là, nous, là, un truc comme ça tombe ici, mais c'est bon, c'est la fin du monde, là, pour le coup. C'est tout le pays qui est paralysé, là, chez nous, là, autant de neige comme ça d'un coup. Hein. Là, plus personne ne sort de chez soi, là, pour le coup. Hein. Ah oui. Ah, j'ai pas QSL à 100%, hein, parce que c'est. J'ai pas eu Roger à 100%, parce que là, c'est la propague fuit par moment. Hein. Mais bon, ça a l'air d'être quand même des sacrés gros flocons hein, qu'il y a chez toi. Quoi. Les flocons chez toi, ils doivent faire la taille d'un seau à chaque fois. Quoi. Non, mais ça a l'air d'être. Ils ont l'air d'être sacrément gros, hein, les flocons là chez toi. Hein. Et t'as la vache, quand j'ai vu les paquets de neige qu'il y a et tout. Je me suis dit, nom de Dieu, quand même! Ah la vache! C'est même. Voilà, il faudrait être dans les montagnes en haute altitude pour arriver à voir comme ça autant de neige. Et encore, je suis pas sûr que ça tombe autant comme ça d'un coup. Hein. C'est énorme comment c'est tombé, quoi. Hop là, je t'ai perdu là! Ouais, là je t'ai perdu, là je t'entends très QRP là d'un seul coup. Attention Houston, nous avons perdu le Québec. Ah, ça y est, ça revient. C'est bon, eh bien voilà, mon problème d'auto, c'est résolu. ça fait le yo-yo, là, toi, ça fait comme la propague, là, mon problème d'auto. C'est bizarre. Là, ça repart un petit peu, ça redéconne un petit peu. Ouais, ça fait le yo-yo. Oh, il va falloir que je regarde s'il n'y a pas des pigeons ou je ne sais trop quoi là qui viennent faire le con sur l'antenne. Il y a peut-être ça aussi. Des fois, on cherche midi à 14h, mais en fin de compte, c'est tout simplement des oiseaux qui viennent se foutre dessus. Je ne sais pas, à voir. On ne sait jamais. Alors là. Là, je suis à fond au niveau sur le DSP. On dirait un robinet qui coule. Bon, il n'y a rien qui passe. Là, je suis à 6. Cinq. 4, non c'est trop, 5, ouais 5 c'est mieux,
Maintenant, chaque réglage est propre à son installation. Gilles, par exemple, lui, faut qu'il soit moins haut. Je sais plus si c'est 3 ou 4. Hein. Je sais plus. Attention, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 3301. Bon, on va faire une petite pause vidéo. Pendant ce temps-là, je vais continuer à travailler une autre vidéo. Bon, ben, à de suite. Sinon, à plus. Ouais, de retour. Oh, j'ai entendu le double bip. Bordel de merde. Bon, Gilles, as-tu vu les aurores boréales qu'il y a eu là ces derniers jours? Jusque dans le nord de la France, hein, il y en a eu. Hein. Les stations sur le Nord-Bretagne, tout le nord de la France ont eu l'occasion, ont eu la chance de pouvoir voir les aurores boréales. Il y a des super photos qui ont été prises là, visiblement, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Donc là, chez toi, ça devait être tout illuminé là dans le ciel. Il est là le double Roger Bip. Il est là le double Roger Bip. Enlève la neige. J'arrive plus à t'entendre. Et puis moi, côté station, je suis pas au top là. Oui. Je le vois. Je suis en position tosmètre. Je sais pas ce que ça me fait là aujourd'hui. Curieux. C'est curieux. Attention le Québec-Canada. Attention le Québec-Canada pour le sud-ouest France qui appelle. Voilà, la température. Douze degrés avec un grand soleil. Au moins, Gilles, si tu ne l'entends pas en fréquence, tu l'auras par la vidéo. Attention, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 qui lance appel. Yeah.
qui sont fidèles au poste à toute l'éternité. Ils veulent